Concentration, précision et savoir-faire. Les ingénieurs d'Astrium travaillent à la fabrication de réflecteurs satellites. La filiale aéronautique de ADS, installée au Mureaux, est l'une des 10 entreprises mondiales qui maîtrisent cette technologie complexe. Il faut en effet que ces paraboles de 2,6 mètres de diamètre installées sur les satellites de télécommunication renvoient correctement les données. En d'autres termes, les ingénieurs doivent faire en sorte que l'information envoyée au satellite soit redirigée sur Terre à l'endroit voulu. Ce ne sont pas des paraboles parfaites, ce sont des surfaces formées avec des bosses, des creux. Ces formes permettent d'avoir la France, l'Espagne et de ne pas viser par exemple l'océan Atlantique, mais d'avoir les Canaries par exemple. Une fois équipé de réflecteurs, 4 en moyenne, le satellite est envoyé en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre par des lanceurs comme Ariane 5, fabriqués aussi au Mureaux. Et à cette distance, les conditions météo sont très variables. Quand on envoie nos matériels, ils peuvent être déformés à cause des températures. Par exemple, si on envoie un morceau d'aluminium dans l'espace, il va se dilater quand il va arriver à plus de 165 degrés et il va se restreindre énormément quand il va être à moins de 110 degrés. Pour éviter cette déformation, l'utilisation du carbone. Les paraboles sont fabriquées en matériaux composites. Pour développer un réflecteur, il faut compter entre 7 et 9 mois, depuis le dessin à la réalisation des essais en passant par la fabrication. 70 salariés travaillent dans ce département et des projets innovants sont en cours, comme des réflecteurs à double bande de fréquence, capables de renvoyer un plus grand nombre d'informations.